Pour madame. Auguste, moi c'est Auguste et toi? Lindsay. Enchanté Lindsay, très jolie. Pour moi tu es une américaine, comme tu es une américaine, comme tu es habillée comme une américaine là. C'est très joli. Bon, ce qu'on aimerait savoir, et nous c'est internaute, et ceci. Pour toi, tu sortirais avec un garçon par amour pour son argent? Point d'interrogation. Peux-tu sortir avec un garçon par amour pour son argent? Par amour. Par amour. Pourquoi par amour? Peux le reprendre voilà. Bon, des fois, il y a l'amour qui sort. Mais avec le temps, on ne sort pas avec un garçon pour l'argent, on construit son homme. Et les filles sont aussi sages. C'est pas tous les gars qui ont toujours les gars qui ont les abdos, le bon corps là, qui sont bien. Une vraie fille ne doit jamais laisser un gars qui a 6 voitures, 6 meubles pour un gars qui a 6 abdos. C'est vrai. Dear viewers, please, I would love you to please subscribe to Ragogène on YouTube. Thank you. Thank you. Salut les amis, c'est encore Auguste Ragogène. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très divertissant. D'abord, je vais vous dire que je ne suis plus seul. Je suis accompagné de Mademoiselle Blanche qui va vous parler de la suite. Mademoiselle Blanche, vous pouvez nous rappeler le sujet du jour. Salut, salut. Les Chinois de Ragogène, moi c'est Blanche. Et si je suis parmi vous, je peux mettre dans la sauce gombo. Vous n'allez pas regretter. Bon voilà, chers internautes d'amour, le sujet aujourd'hui est un sujet très très délirant, je vous assure. C'est un sujet qui, bon, je ne sais pas comment l'expliquer. Abonnez-vous, partagez et likez. Vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Bon voilà, le sujet du jour est de savoir est-ce que tu aimes un homme pour son argent ou par amour? Car les filles de vie sont terribles mon frère. Bon, par la suite, vous allez savoir juste. Abonnez-vous. Ok, merci Blanche, merci pour l'intervention. Donc nous avons rencontré les habitants du quartier Bonamou Sati. Nous allons poser la question de savoir si elles peuvent sortir avec une fille, avec un garçon par amour pour son argent. Vraiment, ça n'a pas été facile. Les réponses ont été très, très diversifiées. En tout cas, vous verrez la suite à la suite de notre vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez pour ne rien manquer. Ciao. Enchanté Michel, très joli prénom. Merci. Ok, ça t'approche déjà, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Ce qu'on aimerait savoir et nos internautes, c'est ceci. Sortirais-tu avec un garçon par amour pour son argent? Ça dépend. Donc, tu as un critère de garçon? Oui. Ça veut dire que même si le garçon est beau, chaud, et que c'est un pousseur, tu sors avec lui? Non. Il faut qu'il ait quand même un peu l'argent. Ça veut dire que tu sors pour son argent alors? Non, pas ça. Non, si il sort avec lui pour sa beauté, on va manger quoi, ça le problème. Bon, si tu veux, bon, si tu vas dire que tu sors avec lui pour son argent et pour ça. Et par amour. Oui, on peut dire. Donc, tu savais, on a l'argent quand on aime à la personne. Mais tu n'as pas fait un choix. Tu as dit les deux. Ouais, c'est pas comme te répondre ça. Moi, je savais que l'homme qui a mangé c'était lui. En fait, ça va. Voilà. Ok, je te remercie. Merci. Bonsoir, ma belle. Bonsoir. Très joli prénom, comme ta beauté. Bon, si je t'accoste aujourd'hui, c'est par rapport à notre chaîne. Mes internautes, au moins, voulons savoir par amour. Par amour. Pourquoi par amour? Parce que quand on dit par amour, ça veut dire que même s'il est grincheux, même s'il est coton basse. Ça dépend. Si il se cherche quand même, il fait des efforts, on peut quand même évoluer ensemble et tout. Non, il ne doit. Donc, ce n'est ni par amour, ni par argent, mais juste pour le suffit. Oui, pour le suffit. Tu peux le reprendre voilà. Bon, des fois, il y a l'amour qui compte. Mais avec le temps, on ne sort pas avec l'argent pour l'argent, on construit son nom. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre travaille une personne pour que tu viennes pour nous. Je ne sais pas. Il y a de l'amour, mais vous travaillez ensemble. Tu travailles ta personne. Demi, tu donnes tout l'argent que tu en as besoin. Donc, si un gars vient, il a on dit produit fini. Il sort d'une baigne, il a l'argent, il a tout, il est beau, il est chaud. Il a tout ce dont les filles rêvent. Tu ne vas pas le prendre parce que tu n'aimes pas ça. À chaque fois, il y a une exception. Je prends. Mais j'encourage les jeunes qui ont travaillé leur. Mais tu prends quand même. Toujours. Donc ça veut dire que tu sors pour l'argent, c'est ça non? Pour l'argent. Puis tu viens de dire que tu encourages les filles à chercher. Pourquoi tu peux avoir l'argent, mais... En tout cas, chaque fille a son nom. A tes critères sur lesquels j'ai son nom. Là, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout le monde. Premier critère, je ne sais pas l'argent, c'est le comportement. Le reste, là vient après, c'est le supplément. Donc, moi, je réponds pour moi. Si tu as de l'argent et que tu te comportes comme de la main, je t'envoie moins de touche. Là, c'est là, gratuit, que tes mains goûtent. Donc, moi j'ai dit au départ il y a de l'amour, mais travaille ton nom. Voilà, merci pour la réponse, je te remercie. Ah, mais c'est vrai ça? Non, c'est vrai. Mais tu sauves un garçon par amour. Vraiment. Mais ça veut dire que même si quelqu'un
sol est riche, propre, beau, chaud. C'est tout ce que les filles veulent. Tu ne prends pas. Non, il prend pas, tu ne prends pas. Regarde la caméra, tu dis c'est. Je ne prends pas. Et je sors avec un garçon. Je sors avec un garçon par amour, mais non pour son argent. Regarde la caméra, tu dis. Non, je sors avec un garçon par amour, mais non pour son argent. Je te remercie. Enchanté Serge. Merci. Ok, c'est à cause de ça, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Ce qu'on aimerait savoir et nos internautes est. Tu sors avec une fille par amour pour son argent. Bref, la femme n'a pas assez d'argent, elle sort avec une femme par amour. La femme n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des filles qui sont très riches. Hein? Bon, avec l'aide de quelqu'un. Vraiment. Oui. Bon, je vais te poser une question simple. Si une fille répond à tous les critères que tu veux, elle est riche, elle est belle, elle est intelligente. Bon, je ne vais pas te citer. Elle a tous ces critères. Et elle dit qu'elle est avec toi. Comment est-ce que tu vas réagir? Elle accepte telle qu'elle est. Tu la prends avec son argent, tout. Ça veut dire que tu sors avec pour son argent. Pas forcément. Puisque une fille que tu ne connais pas, ta cause, tu. Et a tout ce que tu veux, tu vas accepter. Bon, là, ça dépend, je sais pas, peut-être que tu es en relation ou bien. Donc, ça dépend. Bon, on admet que tu es en relation, comment est-ce que tu vas faire? Je réfléchis. Tu réfléchis. Tu n'as pas répondu, tu penses que tu n'as pas amour pour son argent, est-ce que je manque? Tu ne réponds pas. Voilà, ça dépend, il réfléchit. Dieu quoi. C'est vrai que c'est là où chercher le mot, mais ce qui est sûr, j'aurai une question fiable. Donc, Dieu réfléchit. Je te remercie. C'est quoi encore le déjeuner là? Tu pouvais sortir avec un gars par amour pour son argent. Bon. La vraie vérité. Je peux. Oui, justement, je vais dire la vérité. Tu peux rencontrer un homme, il est beau. Il y a de l'amour entre vous. Entre vous deux, vous pouvez vous contenir et devenir riche ensemble. Comme tu peux rencontrer un homme, il est déjà riche et qu'il y a encore de l'amour entre vous. Donc. Mais dire aimer un homme pour l'argent, non, non. Donc, tu n'aimes pas un homme pour l'argent? Non. Qu'est-ce que tu veux? L'essentiel sont les sentiments. Regarde la caméra, tu dis ça. L'essentiel sont les sentiments. Donc, si un gars vient garer la Prado, la DX, il est bien avec toi, tu vas. Si il ne t'aime pas, s'il vient avec les intentions qu'il peut, tu sens qu'il peut t'aimer, tu acceptes. Mais s'il vient, tu sens qu'il ne t'aime pas et que tu cherches derrière lui parce que tu veux manger son argent, ça sert à rien. Je te remercie. Merci à vous. Ok. Merci. Ah oui. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Moi c'est Auguste. Bertrand. Enchanté Bertrand. Ouais. Le charisme est là. Ouais, merci beaucoup. Ok. La question, ce qu'on aimerait savoir et nous intéresse de savoir. Ouais. Tu sors avec une fille, tu sors avec une fille pour ses dos ou bien par amour? Mon frère, par amour. Par amour? Ouais. Vraiment? Ouais. Regarde la caméra, tu dis par amour. Hein. Par amour. Donc, si une fille qui est bien, sort de bain, qui est véhiculée, elle a tout ce que tu veux, belle, fouille, riche, elle fait, tu vas la banquer. Avec la banquer, c'est là, il n'y a pas moi parce que c'est pas fun. Vraiment? Ouais. Bon, je ne cherche pas le beau pour l'argent, pour l'amour. Je te remercie. Ok, merci. Pour madame. Bonjour. Auguste, moi c'est Auguste et toi? Pas ça. Merci. Tu peux te sortir avec un garçon par amour pour son argent? Non. Tu sors avec un garçon par amour pour son argent, c'est ça qu'elle est mal. Non, je ne veux pas sortir avec un garçon par amour pour son argent. Et bon, donc tu n'as pas un choix, mais si tu peux sortir avec un garçon par amour pour son argent, tu n'as pas un choix. Est-ce qu'elle est mal? Adia, j'ai pas un choix pour moi. Je ne peux pas sortir avec un garçon par amour pour son argent. Son argent? Tu sors avec un garçon par amour? Oui. Vraiment, regarde la caméra, tu dis ça. Vraiment? T'es sûr? Donc même si ton gars c'est un pousseur, Un bandit, tu sors avec lui. Non, ça devient différent. Voilà, ça devient différent, non. Donc l'argent compte aussi. Ça compte beaucoup même. Et tu sors avec un gars pour son argent. Non, ouais. Pas seulement pour son argent, non, mais par amour. Donc, attends, c'est je te pose la question. Tu sors avec un gars par amour pour son argent. Tu dis que tu sors avec un gars par amour et son argent, c'est ça que tu dis? C'est ça que. Finalement, tu n'as pas fait un choix. Tu sais que tu sors avec lui par amour, tu ne sens encore pas son âme. Donc tu veux les deux, c'est non, ça? Non, pas totalement pour son argent, non. Par amour et pour son âme. Oui. Bonsoir. Moi, c'est Auguste. Moi, c'est Lindsay. Pardon? Lindsay. Enchanté, Lindsay. Très jolie. Pour moi, tu es une Américaine. Comme tu es une Américaine, comme tu es habillée comme une Américaine, là. C'est très joli. Bon, ce qu'on aimerait savoir, et nous, c'est internaute, c'est ceci.
pour toi, tu sortirais avec un garçon par amour pour son argent. Par amour. Par amour. Oui. Sérieux. Oui. Donc même si le gars c'est un pousseur, il est comme un cotoba, il marche, il a les pieds penchés, tu vas sortir avec lui. Ou bien c'est un bandit, tu vas sortir avec lui. Ça dépend. Tu as dit que tu préférais sortir par amour. Tu n'as pas bien les critères. Oui, par amour, mais. Ça dépend aussi de la question. C'est pas. Bandit là, c'est pas. Donc c'est un poussé, tu sors avec lui. Oui. Vraiment. Regarde la caméra. Lui, c'est dit qu'elle sort avec un garçon. Même s'il est poussé par amour. Donne regarde pas le matériel, c'est ça. Ok, je te remercie. Bonjour mademoiselle ou madame. Bonjour. Auguste, moi c'est Auguste et toi? Adia. Enchanté Adia, très joli prénom par ça. Merci. Ok, si on t'appose déjà, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Ce qu'on aimerait savoir et nos internautes bien sûr est tu peux te sortir avec un garçon par amour pour son argent? Non. Tu sors avec un garçon par amour pour son argent, c'est ça qu'il demande. Non, je ne veux pas sortir avec un garçon par amour pour son argent. Et bon, donc tu n'as pas un choix, je demande si tu peux sortir avec un gars par amour pour son argent, tu n'as pas un choix, c'est ce qu'il demande, Adia. Adia, j'ai pas un choix pour moi, je ne peux pas sortir avec un garçon par amour. Son argent, tu sors avec un garçon par amour. Oui. Vraiment, regarde la caméra, tu dis ça. Vraiment. Tu es sûr? Donc même si ton gars c'est un pousseur, un bandit, tu sors avec lui. Non, ça devient différent. Voilà, ça devient différent, non. Donc l'argent compte aussi. Ça compte beaucoup même. Donc tu sors avec un gars par pour son argent. Non, ouais. Pas seulement pour ton argent, non, mais par amour. Donc, attends, c'est je te pose la question. Tu sors un gars par amour pour son argent. Tu dis que tu sors un gars par amour et son argent, c'est ça que tu dis? C'est ça que. Finalement, tu n'as pas fait un choix. Tu dis que tu sors avec lui par amour, tu sors encore pas son argent. Donc, tu veux les deux, c'est non, ça? Non, pas totalement pour son argent. La voix des sans voix, le clairreur de conscience africaine.